C'est bon. Dev, allons prendre une photo avec moi. Ah, mais... Allez, viens. Allons, Nicole, pourquoi tu me regardes ainsi? Dev, tu t'es fiancé avec Priya. Tu flirtes avec cette Nivi? Oh, attends. D'abord, je n'ai pas du tout menti à Priya. Et je ne flirte pas avec Nivi, Nicole. Alors va clarifier tout ça avec Priya. Ah, mais depuis le temps que je vais derrière Priya pour clarifier tout ça. Nicole, allons, calme-toi. Dev va certainement convaincre Priya. Attends-moi, Priya. Écoute. Priya, écoute-moi. Arrête de me suivre, Dev. Pourquoi est-ce que tu ne cherches pas une autre fille pour toi qui serait beaucoup plus séduisante et brillante? Tu as raison, Priya. Mais tu sais quoi? Les sentiments que j'ai avec toi ne sont pas ceux que j'ai avec les autres. Je me sens bien avec toi, Priya. Avec toi. Et maintenant, toi, dis-moi comment je peux te convaincre avec ça. Écoute. Je t'ai dit plusieurs fois depuis le début que je t'aime. Toi uniquement. Et personne ne peut te remplacer. Crois-moi. Et regarde le joli sourire que tu as. Continue de sourire comme cela. Alors moi, je sentirai que toutes les joies sont à moi. Je t'aime, Priya. Dis-moi, on le fait? Quoi? Mais quoi? Ah, mais... Notre petit jeu... D'accord. Tu sais bien, notre jeu d'amoureux. Ragbir, le cadeau que tu donnes à Pragati n'est pas juste un cadeau, mais une bombe pour elle. Et elle va... exploser. Pense-y, Archit. Quand Ragbir va découvrir que la robe qu'il a apportée pour sa chère Pragati a été remplacée, eh bien... Alors... Alors quoi? Deux choses arriveront. Une... Pragati va pleurer. Et deux, Ragbir recevra tout le blâme pour ce changement-là. Pragati, qui a fait ça? Qui a éteint les lumières? Vite, allumez! Pragati. Qu'est-ce que tu as fait, Ragbir? Tu as pris ta revanche et tu m'as humilié. Non, Pragati, je n'ai pas fait ça. J'aimerais qu'il y ait de telles fêtes rétro tous les jours. Même si nous devons payer alors, nous viendrons certainement. Si quelqu'un d'entre vous dit une seule chose sur ma femme. Hé ! Que regardez-vous ?
La fête est terminée. Dehors. Pragati ? Pragati ? Pragati, j'ai trouvé tes vêtements. Change-toi. Pragati, tu m'écoutes ? Bois un peu d'eau. Ce Ragbir a seulement fait souffrir ma bannie jusqu'à présent. Je ne l'épargnerai pas. Ragbir, dis-moi pourquoi tu m'as fait cela. Qui a fait cela? Tu as fait ça, oui. Ragbir, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi Aditi ferait ça? La personne qui peut jeter ses affaires dehors, elle peut aussi bien se conduire ainsi. Ragbir, qu'est-ce que tu dis là, hein? Je peux jeter dehors les affaires de quelqu'un, mais je ne peux pas salir l'honneur de quelqu'un. Mon fils, est-ce que tu penses que je peux comme ça gâcher l'image de notre famille? Écoutez, quelqu'un a fait ça. Ragbir, mon fils, cette robe, c'est toi qui l'as apportée pour Pragati, n'est-ce pas? C'est possible que Pragati l'ait fait exprès, pour s'embarrasser elle-même, afin que tu lui fasses des excuses devant tout le monde. Tante Kunti, aucune femme ne s'abaisserait jamais comme ça devant tout le monde. Personne ne peut s'abaisser comme ça. Et autant que je la connais, Pragati ne fera pas une chose aussi vulgaire. Je sais que quelqu'un lui a fait ça volontairement. Ce que je craignais est arrivé. Pragati a réussi à te monter contre nous tous. Tu t'opposes à nous, et cela pour une étrangère. Tu te rappelles, Ragbir, cette fille-là a régulièrement mélangé délibérément de la drogue dans ton eau. Aujourd'hui, cette même fille est en train de construire des fossés entre nous, Ragbir. Pourquoi tu ne comprends pas? Je reconnais que Pragati a fait plusieurs choses qui étaient très mal. Oui, elle a fait des erreurs, mais elle ne ferait jamais une chose pareille. Et ne laisserait personne le faire. Pragati, tu m'as toujours aidée, mais je ne peux rien faire pour toi. Je suis sûre que Ragbir ne fera pas cela. Et j'espère de tout cœur que tous les malentendus entre vous seront dissipés. Toi, tu connais Pragati, mais moi, tu ne me connais pas. Qu'importe combien vous vous faites confiance, mais moi, je créerai toujours des malentendus entre vous. Pragati, arrête de pleurer, voyons. Pragati, ce qui est arrivé n'est pas de ta faute. Pragati. Je veux te parler, Pragati. Ouvre la porte, s'il te plaît. Pragati. C'est bien qu'il soit parti, sinon je l'aurais frappé. Oh mon Dieu, elle ne veut plus me parler maintenant. Mais bien sûr, pourquoi elle devrait? Je pense que j'ai mal agi envers elle. Je dois impérativement lui parler, sinon elle pensera que c'est moi. Je ne suis pas le coupable. Elle doit se sentir vraiment mal. Elle était gênée devant tout le monde. D'ailleurs, ça se comprend. Comment j'ai pu lui dire que c'était pas de ma faute? Ma faute ou pas? Très bien.
Ma faute ou pas, je devrais m'excuser auprès d'elle, oui. C'est clair que je dois le faire. Je fais quoi? Je dis quoi? Comment je vais le dire? En écrit. Si j'écris, elle va peut-être le lire. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Oui, je dois faire ça. Je vais le faire. Pragati. Très bien. Si tu ne peux pas écouter, alors lis-le. Je l'ai écrit pour toi. Je vais le glisser sous la porte. Lis-le, s'il te plaît.